Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez de bonnes vacances, qu'elles sont agréables et que vous vous éclatez où que vous soyez à travers le monde. Vous le savez, c'est les vacances, qui dit vacances dit bouteille de coca vide parce qu'il fait chaud. Et du coup, je vous avais dit qu'il y aurait un peu moins de vidéos, mais je vais quand même vous en sortir quelques-unes. Et à l'occasion de ce 15 juillet, alors pourquoi le 15? Bah, parce qu'on est au milieu du mois, au milieu des vacances, et puis je me suis dit, on va vous sortir quand même une vidéo. Il n'y a pas de top 20 depuis un petit moment, alors je vous propose un petit top 20 pour démarrer ces vacances, pour voir un peu où s'en est tout le monde par rapport aux précédents, etc. Et vous allez voir qu'il y a quelques changements. Alors oui, les lumières derrière, vous remarquerez que le bleu se casse la gueule. Si quelqu'un a une astuce pour faire tenir ces trucs-là, je suis preneur. Moi, j'arrive pas. Enfin bref, on va pouvoir parler un petit peu du top 20. On va pouvoir faire le point ensemble sur qui est monté, qui s'est amélioré, qui a avancé dans l'alliance, où on en est, etc. Alors, je tiens à préciser deux choses. La première, peut-être que des gens ont changé de pseudo que je n'ai pas reconnu et qu'ils étaient déjà dans le top. Donc si jamais c'est le cas, vous m'en excusez, mais à un moment donné, je peux pas penser à tout. Et pour info, à un moment donné dans les vacances, vous aurez une vidéo où tous les décors qui sont là, je vous mets désolé, hein, mais tous les décors que vous voyez en image, là, pas derrière moi, mais en image, on va changer tout ça, on va mettre de la nouveauté pour la nouvelle saison qui va démarrer. Alors si vous avez des idées, je suis preneur, hein, évidemment, mais en tout cas, on va essayer de faire des nouvelles choses. À la 20e position de ce top 15, de ce classement, c'est Fire Baby, compte secondaire de Fire Lady, qui se trouve dans notre alliance. Elle entre en 20e position avec ses 146 millions. C'est une belle progression, puisque c'est le deuxième compte secondaire qui rentre dans le top 20. C'est assez effrayant de se dire que les comptes secondaires commencent à rentrer dans le top 20. Alors, soit c'est les joueurs et leur compte principal qui ralentissent, soit c'est les joueurs qui sont très bons, mais vous allez voir que Fire Lady est particulièrement doué pour ce classement. La 19e position, c'est Haru2308 qui fait son retour dans le classement. Ça fait un petit moment qu'il n'était pas dedans, mais il est de retour. 19e position, 158 millions de puissance. Haru qui est 19e, donc voilà. Il n'était pas allé dans le classement depuis un petit moment, notre Haru. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand? Haru. Je suis en train de regarder un petit peu mes anciens classements, voir un peu si on le voit à un moment donné. Non, je le vois pas. Bah, non, je crois qu'il c'est même pas un retour, c'est un début. Hein. C'est vraiment un début de chez début, du coup. Non. Écoutez, non, je le vois pas. Alors, peut-être qu'il y était, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Eh ben, bravo à toi, Haru, pour cette entrée dans le top 20 et à ta 19e place. La 18e, elle est occupée par Umberto. Umberto qui est 18e place, qui gagne une place par rapport au précédent. Alors, c'est une petite erreur. C'est pas la pire progression de la semaine, pour info. C'est une petite erreur de ma part. Je vous prie d'excuser cette petite erreur. Il y a pire que lui, oui. Moins 3 millions par rapport au précédent classement. Alors que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait des top 20. Alors, voilà, c'est quand même inquiétant de se dire qu'il a perdu 3 millions. Alors, il y a eu l'effort entre-temps. C'est un fait. Il a peut-être pas encore rétabli toutes ses troupes. Mais n'empêche, il a perdu 3 millions, donc c'est pas la pire progression, mais voilà, catastrophique. Mais il a quand même pris une place par rapport au précédent, puisqu'il était 19e lors du précédent classement. 161 millions. La 17e position, elle est occupée par PMBD, c'est impossible à dire ça, avec ses 162,1 millions. Il fait son entrée à la 17e position. Une fois de plus, ça peut être un autre joueur qui était déjà dans le classement et qu'il a changé de nom. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de faire le correctif au prochain. La 16e place, eh ben, c'est notre Italien national. C'est notre Nico qui est à la 16e place. Nico qui prend pas de perd pas de place, qui gagne pas de place. Il était déjà 16e, il reste 16e. Il perd 5 millions de puissance par rapport au précédent. Et lui, en revanche, ça lui vaut la pire progression de la semaine. En mention spéciale. Allez, courage Nico, on croit en toi. Pour ce qui est de la 15e position, c'est Sam qui occupe cette 15e position. Il gagne 5 places par rapport au précédent classement. Plus 10,9 millions de puissance pour un total de 163 millions. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Elle aurait pu avoir la meilleure progression de la semaine, mais quelqu'un a réussi à faire plus que 5 places de progression dans ce classement.
et vous le découvrirez très vite dans le prochain, dans le prochain du classement, évidemment. Hein, on continue ce classement et on occupe la 14e place. Et c'est Sushi qui occupe cette 14e place, puisque Sushi, alors peut-être qu'il fait son retour, peut-être qu'il fait son arrivée, mais directement à la 14e place, et c'est 168,2 millions de puissance. C'est plutôt pas mal. C'est un bon début pour un entrée. J'espère que tu vas pouvoir rester à la 14e place. La 13e, eh ben la 13e, c'est moi. Moi, je suis resté. Alors, j'étais monté 9e à un moment donné, puis les gens continuent à remonter, pas probablement parce qu'ils soignaient leurs troupes, etc. Donc, du coup, je suis resté à la 13e place. 183 millions de puissance lors du relevé, plus 13,8 millions par rapport au dernier. C'est une petite progression par rapport à certains, mais c'est une progression tout de même, et je vais pas m'en lasser. Eh ben, si moi je suis 13e, forcément qui est devant? Eh ben, c'est mon ami Simba. Simba qui est 12e et qui reste devant avec 184,3 millions. Pas de progression non plus. Il était 12e, il reste 12e. 10,4 millions de gagnés. C'est pas mal. Un peu léger par rapport à ce qu'il fait d'habitude, mais c'est pas mauvais du tout. Bravo Simba. Allez, la 11e position, elle est pour Sudix avec ses 186,2 millions. Il gagne 4 places par rapport au précédent classement. C'est pas dégueulasse du tout. Une belle progression de 17,2 millions. Ça fait une sacrée montée. Vous imaginez, il a mis 17 millions pour prendre juste 4 places. Alors imaginez le premier. Vous allez voir, le premier, il est sport. Il est sport. Et la 10e place, c'est Bibo qui prend la 10e place avec plus de 8 places remportées par rapport au précédent classement. Et plus de 20 millions de puissance gagnée. Et ça lui vaut d'ailleurs la meilleure montée de ce classement. Puisqu'il prend 8 places. Il n'y aura pas mieux. Personne n'a fait mieux. Il y a eu 5, 4. Mais 8, il n'y aura pas mieux. Donc ça fait 8. Voilà. Bravo à toi, Bibo. 187 millions. 5 pour 20 millions de puissance gagnée. C'est magnifique. Magnifique. Allez, on entre dans le top 10 avec Radek. Et c'est 189,3 millions. Plus 12 millions de puissance gagnée. Il prend pas, il perd pas de place, il gagne pas de place. Il était déjà 9e au précédent, il restera 9e pour ce classement-là. La 8e position, c'est Ifta Jack qui la prend. Il gagne 2 places par rapport au précédent classement. Il approche les 200 millions de puissance et c'est 194 millions. 17,8 millions de puissance de gagné. Comme quoi, vous voyez, même en gagnant 17 millions, on gagne pas forcément 4 places. Là, il en a gagné que 2. Il se place 8e. Bravo à toi, c'est magnifique. Alors, la 7e position, c'est Tony 14 et c'est 194,4. Ça se joue à vraiment pas grand-chose, mais il y a un écart quand même. 18,5 millions de gagnés, 4 places de grimper dans le classement. Ça monte, hein, ça monte doucement, mais ça monte sûrement. Bravo à toi, Tony, pour cette place de 7e dans ce classement. Le 6e, c'est Sasomu. Sasomu, 194,8 millions, 2 places de gagnés, donc la 6e place. 194,8 millions pour 16,7 de gagnés. Ce qui n'est pas dégueulasse non plus. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Alors, notre 5e place, c'est Marianne qui l'occupe et qui a dépassé officiellement les 200 millions puisqu'elle est à 205 millions. 16,7 millions de gagnés, c'est incroyable. En très peu de temps, elle a grimpé sec. Félicitations, elle, une place de gagnée par rapport au précédent. Elle était 6e, elle passe 5e, ce qui est pas mal. 5e avec 200 millions. Attention, le top 5. Vous allez voir, il a un petit peu changé. En 4e position, qui est-ce? Eh bien, en 4e position, c'est notre Falco 2. Il était 4e lors du dernier classement. Il est toujours 4e. Petite progression, que ce que je dis petite, 19,7 millions de gagnés par rapport à la dernière fois. Eh ben c'est pas mal, hein. Il reste 4e pour un compte secondaire, c'est juste phénoménal. Falco qui pète tout systématiquement. Alors attention, le top 3 a radicalement changé. Souvenez-vous, lors de notre précédent top 3, lors du précédent classement, le top 1, donc la 3e place était occupée par Fire Lady, la 2e place elle était occupée par Falco, et la 1ère place était occupée par Lily Rose. Alors ce classement a un petit peu changé. D'accord, c'est toujours ces 3-là, mais l'ordre est différent. Attention, la 3e place est occupée par Falco. Oui, Falco perd une place par rapport au précédent classement. Par contre, il prend aussi la pire descente de la semaine, puisque
que deux per... y a que deux personnes qui ont perdu une place cette semaine au classement, c'est Falco et quelqu'un d'autre, donc parmi ce top 3. Donc il est pire descente de la semaine ex aequo avec quelqu'un d'autre. 219 millions de points pour Falco et 16 millions de puissance de gagner. Alors Falco a été premier pendant un petit moment et est redescendu parce que Lily a grimpé en flèche. Mais vous allez voir que le top 1 de cette semaine a littéralement tout explosé. Mais c'est qui le top 1 de cette semaine? Eh ben regardez, le top 2. Le top 2, c'est notre Lily Rose nationale et ses 226 millions de puissance. Que 5 millions,4 millions de gagnés. C'est la pire descente avec notre ami Falco ex aequo cette semaine. Et c'est la leader d'Alliance, je vous rappelle. Elle occupe la deuxième place. Elle a, lâché, elle a perdu sa première place, malheureusement pour elle. Et ça se joue à 2 millions de points près. Je vous le dis en termes de puissance, hein, je parle. 226 millions, la première personne à 228. Voilà. Et vous allez voir pourquoi elle a 228 millions, puisque la première place, elle est attribuée tout simplement à notre Fire Lady National et ses 228,7 millions de points. Elle gagne deux places, mais ce qui est plus incroyable, c'est la meilleure progression de la semaine, puisqu'on note une augmentation de 34 millions de points de puissance. Est-ce que vous réalisez 34 millions? C'est juste gigantesque. Fire Lady occupe donc cette première place pour la première fois. Elle occupe le top 1 de ce classement. On la félicite parce que c'est une sacrée progression. 34 millions, c'est immense, c'est phénoménal, c'est incroyable, c'est improbable. Mais quel top 20, mais quel top 20. J'espère en tout cas que vous passez des bonnes vacances. Je vous continuerai à vous sortir quelques vidéos pendant les vacances, évidemment. Je vous tiendrai informé des événements du jeu, etc. Ça va de soi. Mais forcément, pendant les vacances, on ralentit un peu le rythme. On se repose, on se détend. Je ne vais pas vous ennuyer à regarder des vidéos tous les jours. Donc profitez, amusez-vous bien. Bonnes vacances à tous et j'espère que ce top 20 vous a plu. Moi, je vous retrouve évidemment très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.